d'aussi loin que je me souvienne, et cela me fait beaucoup de peine. On ne m'a jamais parlé auparavant de la science de l'unicité. Dieu sait toutes choses, il est tout puissant. Rien ne peut contrer sa volonté. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Dieu est le créateur de toutes choses, du bien et du mal, de ce qui est doux et de ce qui est amer, de la santé et de la maladie, de la joie et de la tristesse. Sauf que le bien est par sa création et son agrément, alors que le mal est par sa création, mais pas par son agrément. Il n'est pas permis de croire que Dieu créerait uniquement le bien et qu'un autre, le diable, par exemple, créerait le mal. Il n'y a qu'un seul et unique créateur, c'est Allah. Allah est le créateur du bien et du mal. L'obéissance, la désobéissance, la foi et la mécréance, tout cela est entré en existence par sa toute-puissance et sa volonté, tout comme l'a dit le prophète. Masha'Allah ken wa ma'alam yasha'alam yakun. Ce que signifie ce que Dieu a voulu est et ce que Dieu n'a pas voulu n'est pas. Ainsi, Dieu est le créateur du bien et du mal, mais il nous a ordonné de faire le bien et de détester le mal. Le Créateur n'a pas de compte à rendre et n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Que Dieu nous accorde la compréhension. Wa barakallahu fikum wa salam alaikum. Vous qui m'avez écouté, il ne s'agit pas d'oublier. Le meilleur des actes en réalité, c'est de croire en Dieu et en son messager. De croire en Dieu et en son messager. D'aussi loin que je me souvienne, on ne m'avait jamais parlé de ce qui pouvait réellement m'éviter le châtiment pour l'éternité. Le châtiment pour l'éternité.